Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui, seulement 2 semaines après le précédent, on se retrouve pour un nouveau Métécon. Si j'ai choisi de faire ce Métécon aujourd'hui malgré le faible écart qui sépare les deux épisodes, c'est parce qu'il y a de l'actualité météo en France et dans le monde et surtout parce que j'en ai assez de vous entendre dire « Il fait chaud !» même si je le dis sûrement plus que vous, sans connaître pourquoi il fait chaud et surtout est-ce une situation particulièrement exceptionnelle pour cette période de l'année. Lors du précédent Métécon, j'avais dit que le temps de la fin mai serait à peu près le même que celui de début mai, avec une alternance d'orage, de pluie et de soleil, le tout dans des températures assez froides. Ah, pas du tout. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant votre week-end de 4 jours, il a fait beau et chaud. Et en même temps, je ne vois pas comment tu pourrais ne pas le savoir, à moins d'avoir passé ta journée dans ton lit à mater des séries H24, et je sais que c'est le cas de certains d'entre vous, alors sentez-vous visé. Va dehors un petit peu, Philibert. La question qu'on peut se poser, c'est a-t-il fait exceptionnellement chaud ou juste chaud, mais franchement, c'est pas ouf pour une fin mai, franchement. La réponse est, il a fait bien chaud, mais pas assez pour battre des records à grande échelle, même si on a quand même battu pas mal de records. Oui, je sais, cette réponse est floue. L'endroit où il a fait le plus chaud ce week-end, et je parle ici du vrai week-end de la Team Patpon, c'est à l'est de Paris, dans la Champagne, à peu près. Et c'est quand même assez inhabituel pour cette zone de se retrouver non seulement la zone la plus chaude de France, mais aussi d'Europe. Même les températures de la côte méditerranéenne maghrébine étaient en dessous de la température de Saint-Dizier. C'est te dire à quel point il a fait chaud. C'est même dans cette zone où on a battu des records de température absolue pour un mois de mai, par exemple à Troyes, où l'on a battu hier le record d'avant-hier, qui a lui-même dépassé le record de mai 2005. Par rapport à 2005, le record a donc été pulvérisé de 2,3 degrés, ce qui, dans le domaine des records, est énorme. Et en même temps, cette station tourne depuis moins longtemps que la station de Saint-Dizier, juste à côté, où là aussi, on a battu le record de chaleur seulement de 0,3 degrés, mais c'est une station qui tourne depuis bien longtemps, et c'est un record qui datait donc de 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Des records ont été battus en Belgique et aux Pays-Bas, notamment à Eindhoven, où il a fait 33,4 degrés, et plus au nord avec le record national du mois de mai de la Norvège avec 32,2 degrés, ce qui n'est pas rien. Mais alors, à Paris, était-ce particulièrement chaud? Oui, mais pas au point de battre des records. Samedi, il a fait 31,2 degrés à l'ombre, ce qui est chaud, mais loin du record de 34,8 degrés de 1944 là encore. Dimanche, il a fait plus chaud, mais évidemment, comme toujours lors des jours de grosse chaleur et de potentiels records, la station de Paris, qui est à Montsouris, ne fonctionnait plus depuis 6h du matin. Donc est-ce qu'il a fait plus chaud qu'en 44 ou qu'en 2005? On ne saura jamais. On sait simplement qu'ici, il a fait 32,5 degrés, donc il a dû faire à Montsouris aux alentours de 32 degrés, pas suffisant pour battre ses records, mais ça ne reste qu'hypothétique, ça se trouve on les a battus. Hier, on a aussi assisté à l'égalisation d'un record qui est assez impressionnant. Le record de la plus forte chaleur jamais enregistrée pour un mois de mai sur la planète Terre. Rien que ça. Et je vous préviens, vous êtes plein de la chaleur pendant 4 jours avec vos 30 degrés, mais vous allez moins faire vos malins après ça. Hier, à Turbat, ou Turba, je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Turbat, mais je ne sais pas, au sud-ouest du Pakistan, voilà, c'est ici, la température a atteint 53,5 degrés Celsius à l'ombre. 53,5 degrés. Pour te donner une idée, le record de la France métropolitaine, c'est 44,1 degrés, et ce n'est pas en mai, hein, c'est le record absolu de chaleur pour la France. C'est 44. Ici, on atteint 53,5 degrés pour un mois de mai. Ça égale le précédent record, mais je te laisse imaginer la température que ça fait au soleil. Ouais, je pense que si tu vas dehors au soleil par cette température, tu commences à cuire, dans le sens propre du terme. Le temps pour les prochaines semaines s'annonce un peu moins chaud, mais un peu plus humide. Je donnerai pas plus d'informations parce que, comme d'habitude, ça risque de changer. Et moi qui pensais qu'on allait se manger une fin de mois de mai de merde, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche il y a 2 semaines. D'ailleurs, comme on est à la fin du mois de mai, je vais rafraîchir la valeur que je vous ai donnée la dernière fois. En effet, je vous avais dit ça. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Oui, les dernières semaines ont été suffisamment chaudes pour faire franchement renverser la tendance de la température moyenne. Et concernant les pluies, elles sont normales pour ce mois de mai, mais elles ont été concentrées, donc elles n'ont pas été entièrement utiles pour recharger un poil les nappes phréatiques. D'ailleurs, cet été, on partira sûrement sur une sécheresse, mais pas énorme.
Et je vous autorise à reprendre ce que je viens de dire en disant que je suis une menteuse si à la fin de l'été on a connu une sécheresse sans précédent parce que la météo aime vraiment bien me troller en ce moment. Par exemple, une autre courbe qui me trolle, j'avais dit ça par rapport à la banquise il y a 2 semaines. Le niveau de la banquise revient dans une zone où elle n'est plus considérée comme exceptionnellement basse. Ah, pas du tout. Et oui, voilà la courbe aujourd'hui. Elle repart à la baisse et rebat des records d'extension minimale. Génial! Enfin non, pas génial du tout d'ailleurs, on parle de la banquise, non. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, ce Mettez-con est certes un peu plus court que d'habitude, mais j'ai une excuse, il y a Roland Garros à la télé, et vous savez que moi, quand il y a Roland Garros, je n'arrive plus à bosser, c'est déjà un miracle que j'ai réussi à écrire cette vidéo et à la monter, alors que pendant ce temps, ça joue au tennis. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, hein, si je ne suis pas morte de déshydratation devant Roland Garros. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.